Mes seigneurs réunis à la cour de Vienne, à la demande générale, aura lieu ce 24 janvier 1762 un dernier concert de la famille Mozart auprès de son Altesse impériale. Le dernier, irrévocablement. Le petit Wolfgang tiendra sa partie au piano, bien qu'un drap lui cache le clavier. De plus, vous le verrez improviser tous les genres, et même les plus difficiles. Salzbourg. Faites place à Léopold Mozart, à sa fille Nannerl et au petit Wolfgang. Dites-moi, Marie-Josepha, quel est cet enfant prodige au clavier ? Oh, c'est un petit virtuose. Il a à peine 6 ans. Il nous vient de Salzbourg. Thank you.
sainte Providence. Viens chez Marie-Thérèse, ton impératrice. Viens par ici, mon petit. Quel âge as-tu ? 6 ans, Majesté. Oh, j'ai été totalement séduite par cette finesse, délicatesse. C'est l'expression la plus belle et la plus éloquente. Oh, c'est un vrai petit ange. Dites-moi, qu'en pensez-vous, compositeur de la cour ? À vrai dire, il est très étonnant, Majesté. Une vélocité admirable, que l'on peut dire unique, en particulier de la main gauche ou la passe. Sans nul doute, compositeur de la cour, mais il mérite récompense. Qu'en pensez-vous ? La récompense de votre majesté, à laquelle je tiens le plus au monde, c'est... C'est laquelle ? Dites, mon enfant. Ce serait, majesté, que vous m'accordiez la main de... La main de votre fille, de Marie-Antoinette. Racontez-moi, Schönbrunn. Nous avons été reçus par leur majesté avec une bienveillance extraordinaire que, lorsque je le raconterai dans notre ville de Salzbourg, on prendra cela pour une fable. Le Wolfer a sauté sur les genoux de l'impératrice, lui a mis les bras autour du cou et l'a bravement embrassée. Je peux vous l'assurer, monseigneur. Wolfi sait tout faire. Il déchiffre à vue tous les morceaux qu'on lui présente. Il improvise parfois un accompagnement à un air donné, ou, inversement, nomme les notes jouées dans une pièce voisine. Raconte aussi, maman. Wolfgang a joué à Vienne sans fausses notes, même sur un clavier dissimulé sous un linge. Il transposait un morceau à vue dans un autre ton, ou bien il improvisait longuement, longuement, sur les thèmes proposés par les auditeurs du palais. Apprenez, monseigneur, que le jeune Wolfgang a charmé tous les gens qu'il a rencontrés en Allemagne. Les fugues de Händel n'ont plus de secret pour lui. Il improvise, soyez-en sûr, avec autant de grâce que d'éclat. À Passau, le prince évêque l'a fait jouer pendant 5 jours. Et le prix, devinez, 1 ducat, pour 1 seul ducat. On m'a raconté qu'à Ips, au couvent des franciscains, il a grimpé subitement à la tribune d'orgue et s'est mis à jouer pour le plus grand bonheur des moines, sortis en courant du réfectoire pour venir écouter ce prodige. Son Excellence, je dois montrer ce miracle au monde, puisqu'aujourd'hui on contredit tous les miracles. J'ai lu votre requête, Léopold Mozart. Je vous accorde un nouveau congé. Vous pourrez repartir de Salzbourg et parfaire ainsi, avec l'aide de notre Seigneur, l'éducation de vos 2 enfants. Vous leur ferez rencontrer les plus grands maîtres italiens et ceux des royaumes de France et d'Angleterre. Allez répandre à travers l'Europe le souffle inspiré de Wolfgang, le souffle d'un ange. Bon voyage, Léopold. Que Dieu vous protège. Invités, prêts à partir vers le sud et l'Italie, prendront la direction de cette chapelle illuminée pour retrouver le divin Wolfgang Amadeus Mozart. La 2e délégation m'accompagne.
accompagnera pour rejoindre le royaume d'Angleterre. Après notre séjour à Londres, nous accompagnerons le divin Mozart jusqu'à Mannheim et Munich. À Saint James Palace, Sir Leopold Mozart de Salzbourg et ses enfants Nannerl et Wolfgang. Une symphonie en tout point remarquable. Une symphonie de Jean-Sébastien Bach. Et voici son fils cadet, Johann Christian Bach, et Lord Dance Barrington, avocat à la cour de Londres. J'ai appris que vous avez un temps séjourné en Italie et que le jeune Wolfgang s'est enrichi au contact des plus grands maîtres de Milano et Bologne. En effet, il n'est pas exagéré de prétendre que mon Wolfi est le plus italien des compositeurs allemands. J'avouerai que moi aussi, j'ai séjourné en Italie. Puis je me suis fixé à Londres. Aussi n'est-il pas exagéré de prétendre que je suis le plus italien des compositeurs de Sa Majesté. Soyez donc les bienvenus au pays de Friedrich Händel. De nous tous, Händel connaît le mieux ce qui est d'un grand effet, et lorsqu'il le veut, il va et frappe comme la foudre. Vous-même, Wolfgang, que composez-vous en Angleterre? J'ai composé dans ce royaume mes premières symphonies. Et vous autres, approchez. Je suis Lord Dance Barrington, mandaté par la Royal Society of London pour dresser un rapport complet sur le prétendu jeune virtuose. Vous allez le suivre en permanence et me faire part de vos observations. Thank you.
apporté cette composition manuscrite qu'il n'avait jamais vue auparavant. À peine la partition posée sur le pupitre, il se mit à jouer la symphonie dans le mouvement et le style qui correspondaient aux intentions du compositeur. J'ai été témoin du fait étonnant que je rapporte. Un jour, Johann Christian Bach, le célèbre compositeur, a commencé une fugue et l'a brutalement interrompue. Le petit Mozart l'avait aussitôt reprise et élaboré de la plus magistrale façon. Comme vous venez de le constater, je peux porter à la connaissance de la Société Royale le talent musical de cet enfant. C'est le plus précoce et le plus extraordinaire compositeur européen. Et à vous tous, je me déclare sincèrement anglais de cœur. Cela pendant la semaine sainte, comme je l'avais souhaité. Approche, Wolfgang, aimé de Dieu. Amadeus, comme t'appellent ici nos amis italiens. Nous allons ensemble entrer dans la chapelle Sixtine. On y joue en ce moment le Miserere d'Allegri. Soyez les bienvenus dans cette chapelle. Notre Saint-Père a la plus grande joie de vous y accueillir. Mais sa sainteté interdit formellement aux musiciens.
sous peine d'excommunication, d'emporter une partie de la partition, de la copier ou de la communiquer. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, vous pouvez suivre la famille Mozart dans notre sainte chapelle. »